pare-feu d'AirWeb Android. Donc, je vais vous faire voir comment régler le pare-feu, donc pour bloquer éventuellement les applications vers Internet. Alors, c'est valable pour ceux qui utilisent Internet sur leur téléphone. Hein. Ceux qui n'utilisent pas Internet du tout, normalement, bah, vous vous occupez pas éventuellement du pare-feu. Voilà. Donc, bah, vous allez dans votre menu, vous ouvrez AirWeb. Et là, vous allez pare-feu ici. Voilà. Là, vous l'activez, bien sûr. Hop, voilà, il est activé. OK. Donc là, vous avez trafic. Là, je suis sur trafic. Là, c'est marqué en haut à gauche. Là, application. Et là, limitation. Voilà. Donc, la limitation, c'est à vous de voir. Je ne donnerai pas de petit cours là-dessus. C'est à vous de voir. Il suffit de lire et puis de cocher ou de décocher. Voilà. Moi, éventuellement, vous voyez, notification lorsque la limite d'Internet mobile est atteinte. Moi, je l'enlève parce que de toute façon, je ne me sers pas d'Internet. Donc, je désactive quand même. Donc là, je vais vous faire voir pour les applications. En général, ce sont des applications qui vont se connecter. Et là, bah, ça requête vos informations éventuellement. Chose qui est bien spécifiée quand vous installez un logiciel. Vous téléchargez, c'est bien marqué. Attention, cette application est susceptible de voir vos photos, vos contacts et compagnie. Voilà. On appelle aussi du hack, du hacking. C'est Android, c'est comme ça. Voilà. Malheureusement, Android, voilà, c'est comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Il y a plein d'applications, mais voilà, vous êtes pisté de partout. C'est vraiment décevant. Enfin, voilà. Donc, à chaque fois que, si je prends par exemple, je vais vous faire voir une application. Voilà, Agenda. Si je prends Agenda, voyez, on voit là Agenda. Là, on voit que il y a deux petits signes verts juste à droite de l'agenda. Donc il y a le petit signe comme le signe du Wi-Fi et un signe de ça capte le réseau. Donc quand c'est vert, ça veut dire que c'est autorisé. Donc pour modifier, cliquez dessus. Et là vous voyez réseau mobile. Si vous ne voulez pas que ça se connecte par le Wi-Fi, vous enlevez. Pareil pour réseau mobile. Si vous ne voulez pas que ça se connecte, vous enlevez. Quand c'est vert, ça veut dire que vous autorisez la connexion. Quand vous ne mettez rien, ça veut dire que ça ne peut pas se connecter. Voilà. Donc faites des essais, éventuellement, mais normalement ça marche. Voilà. Moi, je ne peux pas vous certifier parce que, comme je vous dis, je ne vais pas sur Internet. Voilà. Mon PC chez moi, je n'ai pas besoin. Éventuellement essayer, mais normalement ça marche. C'est cliquer comme ça sur le site et ça marche. Voilà. Donc, vous mettez éventuellement. Éventuellement, vous pouvez, normalement, moi je devrais faire tout comme ça. Voilà. Mais comme je n'y vais pas, je n'ai pas besoin. Alors, le seul petit. Toutes les applications, si j'enlève par exemple. Voilà. Vous voyez là, quand on appuie sur les pointillés en haut à droite, on a ici des choses. Voilà. Donc là, il était sur toutes les applications. Maintenant, je viens de l'enlever. Donc maintenant, je vais voir. Là, on le voit. Je n'ai plus de. Je ne vois plus les applications. Vous voyez, hop, là, j'y suis. Je suis dans le trafic. Je ne les vois plus. Bon, alors là, le seul souci, c'est que vous voyez, pour les voir, il faut cocher toutes les applications. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait une fonction voir et ne pas voir. L'intérêt, c'est de voir. Si je veux le réguler le pare-feu, c'est de voir. Donc, vous voyez, quand je fais ça, hop, j'enlève, c'est marqué. Cet onglet contient des informations sur le trafic Internet utilisé, les applications installées sur votre appareil mobile. Bon, ça, oui, je m'en doute bien. Pour afficher la liste de toutes les applications, voilà, d'accord. Je veux bien, mais alors, pourquoi les cacher? Je ne vois pas l'intérêt de le cacher et de les cacher et de les faire voir. Le pare-feu, c'est fait pour les voir et les configurer. Alors, comme je vous disais, le seul petit souci que je trouve là, de AirWeb, c'est que je ne peux pas dire, par exemple, j'ai un bouton pour dire tu m'autorises à tout connecter ou à tout déconnecter. Donc là, il faut les faire une par une. Voilà, vous êtes là, comme ça. Il faut les enlever une par une, comme ça, et revenir en arrière. Bon, je ne trouve pas ça très pratique du tout.
Alors, je vais essayer d'envoyer un message à Derweb parce que là, c'est, voilà. Ils ont fait une nouvelle version, mais là, ils n'ont pas corrigé ceci. Tout simplement. Donc, précision aussi, si vous mettez votre téléphone à jour, si vous le mettez à jour, ce qui peut arriver, il va bien falloir que vous connectiez Internet, voilà, par le Wi-Fi éventuellement. Donc là, si vous avez enlevé, comme je vous dis par exemple ici, si vous vous dites, moi, je ne veux pas que ça se connecte, j'enlève tout, le problème, c'est que vous ne pourrez plus faire la mise à jour puisque vous avez tout déconnecté. Donc il va falloir retourner ici, sur la, le, ici là, à un même endroit, il va falloir regarder ce qui peut éventuellement correspondre. Voilà. Alors c'est pour ça que je vous dis, ceux qui ne vont pas sur Internet, et je précise ceux qui n'y vont pas, et qui font quand même des mises à jour, laissez tout activé. Ce n'est pas grave. Comme vous ne vous connectez pas, de toute façon, ça ne va pas se connecter. Après, ça peut éventuellement se connecter quand, au moment où vous allez faire la mise à jour. Mais comme je vous dis, ça ne prouve pas qu'au moment même, à la seconde même que vous allez vous connecter, ça va se connecter à Internet. Par exemple, l'application que vous avez installée, ça ne veut pas dire que ça va se connecter. Je pense que tant que vous ne l'utilisez pas, elle ne va pas se connecter. Mais là, je vous dis, je ne suis pas sûr puisque je ne connais pas l'application. Mais de toute façon, même si ça se connecte pour, on va dire, 1 ou 2 ou 3 minutes ou 5 minutes, le temps que vous fassiez la mise à jour, ce n'est pas bien méchant. Après, de toute façon, comme je vous dis, après, il faut vraiment savoir lesquels, cocher, décocher, pour savoir que ça ne vous bloque pas la mise à jour. Voilà, donc là, bon, on a fait le tour, hein. Il n'y a rien de plus, hein. C'est assez facile, mais bon, pour moi, il manque, je vous dis, le bouton, hop, je désactive tout, j'active tout. Après, bien sûr, vous pouvez éventuellement carrément désactiver le pare-feu. Hein. Vous faites ça. Puis bah, là, voilà. Là, vous désactivez le pare-feu. Donc là, ça veut dire que vous n'avez plus de pare-feu. Mais bien sûr, si vous désactivez le pare-feu, je pense que normalement, tout va se connecter. Puisque bah, vous n'avez plus de pare-feu, vous n'avez plus de protection. Voilà. Si vous enlevez la protection, bah, vous n'avez plus de protection. Donc là, tout va se connecter. Donc quand même, je vous conseille quand même de le laisser et de faire les réglages que je viens de vous expliquer. Voilà, bah, c'est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.